Ensemble, bonjour. Mes séances, je vois un public qui en voudrait à mes écus. Mes écus, voire même mes euros, sont fiers allure. Et les invités tirés au sort parmi le public sauront-ils défier mes fidèles compagnons mousquetaires? Mesdames et messieurs, je vous présente Euros. Suivi de Potos. Et enfin, celui que nous aimons tous, Toupilis. En garde, mes seigneurs, bien sûr, car vous allez être défiés, effectivement, par aujourd'hui, Virginie. Accueillons Philippe. Suivi de Fanny. Vous avez des supporters, hein? Et enfin, Stéphanie. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, je tiens à préciser que si nous parlions des trois mousquetaires, c'est qu'il y a 200 ans naquit un grand homme qui s'appelait Alexandre Dumas. Il aurait eu 200 ans, là, aujourd'hui. Eh bien, nous lui dédions cette émission. Bonjour. J'espère que tout va bien. Vous êtes venue avec qui, Virginie, en ce qui vous concerne? Avec mon fiancé Fabien et mon beau-frère Xavier. Mon fiancé, ouais. Bonjour, bonjour Fabien. Et alors Fabien, c'est la chemise beige? Oui. Chemise beige, ça se passe bien tous les deux? Très bien. Très heureuse? Oui. Vous êtes fiancé? Oui. Comment ça s'est passé la rencontre avec... Alors on s'est rencontrés à l'école, on était en terminale et on est tombés amoureux en s'envoyant des petits mots. En cours. Des petits mots en cours. Ouais. Comme c'est mignon, bien, voilà. Bien. Philippe, bonjour. Vous, dans bonjour. La vie? Je suis ouvrier du bâtiment. Ouvrier du bâtiment. Dans tout corps d'État, rénovation tout corps d'État. Je travaille avec mon père. Et votre papa, il est... On travaille les monuments historiques. Donc, on travaille dans les églises, on fait un peu de tout, quoi. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance, bien sûr, Philippe, pour votre venue. Fanny, vous venez d'où, vous? D'Arles. Arles. Ouais. Département? Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, d'accord. Parce que tout à l'heure, j'ai dit département, Fanny, non, juste avant de commencer, oui, il y a 3 minutes, et elle dit héros. Et je me dis, tiens, vous avez déménagé, tout ça. Vous êtes venue avec qui, Fanny? Avec mon fiancé Eric et une amie, Frédéric. Et alors, mon fiancé, c'est mon fiancé qui est mort de rire? Ouais. C'est lui, d'accord. Et expliquez-nous comment s'est passée la rencontre. Et ben, en fait, un jour, il est venu avec un copain me chercher à la fac. Oui. Et voilà. Et après, on se revit un an après et on s'est mis ensemble. Un an après. Et c'est lui qui a fait le premier pas ou pas? Oui. Et ça s'est passé comment, le premier pas? Champagne. À la Feria de Nîmes. À la Feria de Nîmes. Ouais. Bien. Et Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec? Avec mon futur mari. Votre futur mari? Vous mariez dans combien de temps? Dans 3 semaines. Il se marie dans 3 semaines? Oh, que c'est mignon! Mais c'est quoi mon meilleur vœu, alors? C'est... Alors... C'est les préparatifs? C'est quasiment fini maintenant. C'est... On attend le dernier moment. On attend le dernier moment. Alors, vous avez choisi la robe, tout ça, elle est jolie? Oui, oui. Oui. Elle... Bah, je pense oui, qu'elle va lui plaire. Et il ne l'a pas vue? Non, non, non. Non, non, surtout non. Pas. Non. Surtout pas. Et vous habitez où? On vient de Dijon. On vient de Dijon. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous quatre et bienvenue à mes 8 potes. La première question est en musique. Avec les filles, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand il faut, sur 100 hommes, combien ont toujours l'impression de dire des bêtises lorsque la femme qu'ils convoitent leur adresse la parole? On a toujours un sentiment de dire des bêtises. Virginie, votre réponse? 56. 56, ont le sentiment de dire des bêtises. Philippe? 56 aussi. Vous et avez... je vais pas regarder. Hein. Comme quoi? Comme quoi. Bien. Fanny, en ce qui vous concerne, vous avez répondu? 48. 48 ont le sentiment de dire des bêtises.
Bah écoutez, arrêtez de faire la tête dans le public. Stéphanie ? Moi j'ai mis 36. Quand le public fait « Ah !», c'est que peut-être qu'il y a une chance, la réponse est 2. Eh ben 38, bravo Stéphanie ! Le public se trompe rarement, hein, vous savez, quand il fait « Ah !», ce sont eux qui sont interrogés. Et malheureusement, on va perdre deux potes, celui de Philippe et celui de Virginie, pour commencer. Virginie, vous perdez un blues pot. Philippe, le super pot. La question suivante va nous parler de chevaux. Et en particulier, un cheval que tout le monde connaît, mesdames et messieurs. Il s'agit du célèbre cheval Ourasi. Combien de courses a remporté le célèbre cheval Ourasi ? Alors Jean-Luc, on appelait ce cheval le roi fainéant ou l'extraterrestre des champs de course, ce qu'il avait pour l'habitude de traîner au départ avant de surprendre ses adversaires par de fulgurantes accélérations. Merci bien, on va vous donner votre cachet, ça valait mieux. Philippe, vous avez répondu 21. Fanny ? 80. 80. J'aime bien. Votre copain, il est là. 80, ça vous dit Il en a gagné pas mal. Hein. Il en a gagné pas mal. Hein. On sent bien que vous venez pas de l'île Roubaix-Tourcoing, quand même. Stéphanie. Je mets 41. 41. Bien. Virginie. Et moi, je me suis trompée. Oh, j'ai voulu mettre 26 et j'ai mis 16. Et vous avez mis... Ah, 16. Et oui, alors là, on peut pas... Sur la première question, je suis d'accord, mais là... Trompé, hein. Trompé, faut faire attention. Et les réponses est de... Ah ben 58, Stéphanie est donc la plus proche de la réponse. Bravo à vous, Stéphanie. Et oui, avec 16, malheureusement, oui, effectivement, Virginie. Le dernier pote s'en va, on va vous offrir quand même un cadeau, un appareil photo instantané pour commémorer l'instant. Excusez-moi, c'est la vie, hein. Cet instantané développe sous vos yeux ébahis des photos dans son petit boîtier tout gris. Ah, c'est beau la vie quand tout vous sourit. Comment se prénomme votre petit ami ? Fabien. Fabien ? Est-ce qu'il fait des choses à la maison, Fabien, non, Il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Il la vaisselle, il fait le ménage. C'est vrai ? Des petits massages le soir. Il vous masse le soir, les papouilles et tout ? Oui, tous les soirs. Et vous êtes fiancée depuis combien de temps ? Deux ans. Oui. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. Merci, Virginie. Venez sous le parasol, vous restaurez, vous sustentez, vous délectez. La question suivante nous dit en moyenne combien de fois par mois un Français passe l'aspirateur chez lui. Un Français tout confondu. Fanny, votre compagnon se prénomme Eric. Et Eric, il fait des trucs à la maison, Eric, ou pas? C'est vrai, il fait... Faut faire bien, alors je vais dire oui. C'est pourquoi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, Eric ? Pas grand-chose. Eric, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? Un an et demi. Et vous vivez ensemble, tout ça ? Eric, je vais venir te voir. Eric, non, juste pour savoir. Eric, salut, je m'appelle Jean-Luc Rossmann de la télévision. Et toi. Vous lui avez déjà servi le petit déjeuner au lit ou... Attends, il l'a pas fait, je crois pas. Vous l'avez jamais fait ? Si. Si, je l'ai fait, oui. Au début. Regarde, toutes mes devinettes, hein. Dimanche, on va apporter le petit déjeuner au lit. Dimanche, non. Quoi? Dimanche, on va aller donner le petit déjeuner au lit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes... On a un tournoi de ballon et tout, on va se lever tôt, on va partir vite. Là, même moi, je ne prendrai pas au lit. C'est pas possible. Vous partez quand? Dimanche matin? Ouais. D'accord. Est-ce que samedi vous travaillez? Non.
Samedi, on fait la fête. Et samedi matin, vous ne voudriez pas lui amener le petit déjeuner au lit? Ah, samedi matin, on peut le faire. On peut le faire, hein? Qu'est-ce que vous voulez, Fanny, dans le petit déjeuner? Allez-y, allez-y, chargez la mule. Non, un café. Un café. Et un pain au chocolat. Pain au chocolat, frais, croustillant, pain au chocolat. Combien de fleurs vous voulez pour le bouquet? Il faut agrémenter, tu comprends, Eric? Qu'est-ce que vous préférez comme bouquet? Des roses jaunes. Des roses jaunes. Combien de douzaines? Oh, une seigneur. Une douzaine. Ça va? Ça va. Samedi matin. Promis? C'est promis. Dites-le là. C'est promis. C'est promis. Et on a toujours gagné ça. Allez-y. Vous voyez, Fanny, c'est promis. Il ne peut pas faire autrement, là. Hein. Admettons, Fanny, il ne le fait pas, non. Vous m'appelez. Il le fera. Et oui, il a dit à la télé. Arles, ça va l'atteindre. Bien. Eh bien, écoutez, tout va bien, vous formez un très, très joli couple tous les deux. La question nous dit donc, en moyenne, combien de fois par mois un Français passe l'aspirateur chez lui? Fanny? 10 fois par mois, en moyenne. Stéphanie? Moi, je mets 25. Mais vous avez toujours le truc à la main, non? Oui, enfin, je sais pas, presque une fois par jour quand même, non, je pense. Une fois par jour? Eh oui. Philippe, vous? Je me suis basé sur ma copine, j'ai dit 35. Par mois? Ah oui, et encore, c'est peu. Hein. Et encore, c'est peu. La réponse à cette question est... 6 fois. Eh bien, vous voyez, Stéphanie, c'est Fanny qui est la plus proche de la réponse. Et son copain est ravi, Eric. On va perdre notre copain Philippe. Je suis désolé, Philippe, parce qu'on passait vraiment une bonne matinée avec vous. On va bien sûr vous offrir un cadeau pour l'été, c'est rigolo. Vous allez comment au boulot, Philippe? Bah, j'y vais en voiture. En voiture? Mm-hmm. Il y a beaucoup de kilomètres de là où vous travaillez? 20, 25 kilomètres, enfin, ça dépend des chantiers. Et bien maintenant, vous n'irez plus en voiture parce qu'on va vous offrir une trottinette tout-terrain. Merci. Ah, sympa, hein? Sympa. Pour avaler les kilomètres, voici une belle trottinette. Elle est tout terrain pour aller sur la route et les chemins. Bon, elle est très cool, la trottinette pour l'été. Merci de votre sympathie pour de vrai. Merci. Parce qu'on s'est bien régalé en votre compagnie. Alors, on va se retrouver quand même avec Fanny qui va avoir son petit déjeuner samedi au lit. Avec son petit ami qui est fort sympathique, qui est Eric, et qui viennent tous les deux d'Arles, et c'est très gentil. Et Stéphanie qui se marie dans 3 semaines avec son futur époux, qui est Yannick, et qui est là. Yannick et Stéphanie, bonne chance à tous pour cette deuxième marche. Dijon, la Côte d'Or. Contre Arles, les Bouches-du-Rhône. Fanny, qu'est-ce que vous faites comme travail dans la vie? Je suis employée commerciale dans une grande surface. Et votre compagnon dans la vie? Il est soudeur. Il soude? Ouais. C'est pour ça que votre union est si soudée. Stéphanie, vous dans la vie, en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, je travaille dans une usine qui fabrique des disjoncteurs industriels et des relais thermiques. Les potes sont sympas de travail? Alors, j'ai une super équipe... C'est sympa. Bonne équipe, ouais. Eh bien, on leur bat le bonjour et tout. Et puis, moi, je vous souhaite bonne chance. Vous allez... C'est une question de gourmandise, la prochaine. Est-ce que vous êtes gourmande? Fanny, le chocolat? Non, pas spécialement. Non, pas le chocolat du tout? Non. Ah non, pas le chocolat. Stéphanie, le chocolat? Oui. Le chocolat? Beaucoup. Eh bien, vous allez super rire. La question coquine, elle parle de chocolat. Alors que l'été sera chaud dans les t-shirts et dans les maillots, sur 100 françaises virgule, combien déclarent, écoutez bien, préférer le chocolat à l'amour? Et pourtant, Jean-Luc, le chocolat serait considéré comme un aphrodisiaque. On a découvert qu'il stimulerait dans le cerveau une substance nommée anandamine aux propriétés euphorisantes. Ben moi, j'aime bien le chocolat. Et c'est peut-être pour ça. Stéphanie? Je dirais 40. 40? Préfère le chocolat à l'amour. Vous-même, vous allez vous marier dans 3 semaines et... Moi, j'aime les deux. Vous aimez les deux? Oui.
Fanny, c'est le jeu du plus ou du moins pour vous? Moins. Moins? Je pense. Moins? Non, moins. Moins. La réponse est? 17, c'est moins, oui! Bravo! La deuxième question va nous parler des Dalton. Combien de personnages de la famille Dalton apparaissent dans l'ensemble des albums de Lucky Luke? C'est chacun son tour, Fanny. 6. Vous diriez 6. C'est le jeu du plus ou du moins, Stéphanie? Je dirais plus. Vous diriez plus. Est-ce qu'on a les membres? Il y a Joe, Jack, Avrel. Joe, Jack, William, Avrel. William. Ce sont les cousins d'Alton. Il y eut d'abord la bande des premiers frères d'Alton dans les premiers Lucky Luke, mais qui se sont fait descendre. Bob, Gratt, Bill, Emmett. Cela nous fait 8. Mad Dalton, la mère, 9. Oui. Et l'oncle Marcel Dalton, ce qui nous fait 10. Marcel Dalton, eh ben écoutez, grâce à Marcel Dalton et la famille, vous égalisez cette année. C'était pas évident comme question. Nous allons parler des martins pêcheurs. Vous connaissez ces oiseaux de martins pêcheurs. Quel est en centimètres la taille moyenne d'un martin pêcheur? Stéphanie, c'est chacun son tour. 70. 70. Fanny, c'est le jeu du plus ou du moins? Moins. Moins? Et la réponse du martin pêcheur? 16, c'est moins, Fanny. Ah oui, ça fait 16 centimètres, c'est un petit. En fait, c'est tout petit, un martin pêcheur. C'est tout petit. Ah oui, on s'imaginait, c'est beaucoup plus grand. Hein. Bon, Fanny prend un petit avantage de pote. On va parler de superstition, superstitieuse, Fanny. Oui. Quel genre de superstition? Tout ce qui est courant, le pain à l'envers, passer sous l'échelle, le chat noir, tout ce qui le va avec. Le bar lui ouvert dans une maison. Le sel... renversé, ouais. Le sel renversé, tout ça, non. D'accord. Oui. Stéphanie, superstitieuse, non? Un peu moins, mais j'aime bien toucher du bois quand... pour conjurer le mauvais sort, des fois. Ah, vous touchez du doigt? Non, le du bois. Ah, du bois. Quand on dit « touche du bois ou du singe ». On se croise les bois et on se touche du doigt, d'accord. Et la voyance, tout ça, non? Un petit peu, avant, oui, pour voir ce que c'était, mais bon, sans y croire non plus. Oui, maintenant, vous allez quand même vous marier dans 3 semaines. Elle avait prévu ça? On m'avait dit que je me marierais, oui. Elle s'est quand même pas mouillée beaucoup, oui. Hein. Nous allons parler de superstition en anglais. Superstition. Baby superstition. Sur 100 Français, combien sont superstitieux? Fanny, c'est chacun son tour. Apparemment, vous voulez être beaucoup, Fanny, mais c'est l'ensemble des Français, ouais. Vous l'avez compris. 46. 46. Stéphanie, c'est le jeu du plus ou du moins sur 100 Français. Je dirais moins. Vous diriez moins. Et la réponse est... ou 43, c'est moi, Stéphanie égalise. Oh là là, on refait le match. Égalité. Je vous souhaite vraiment bonne chance du fond du cœur. C'est la question en or. En quelle année l'obélisque glisse fut installé au milieu de la place de la Concorde. Je demande bien sûr au public de tenir sa langue. Vous pouvez parler bien sûr entre vous. Mais Stéphanie, cette question s'adresse à vous. Je sais pas du tout. Vous nous dites... 1920. 1920. Si c'est avant, votre réponse, bien sûr, vous le formulerez par moins. Si c'est après 1920, vous le formulerez par plus. Fanny,
Un peu plus. Un peu plus. Eric, vous avez Eric, t'as un coup de chaud là, hein. Et là, ça va? Ça va. Ça va. Vous auriez pas dit plus? Non, j'aurais dit moins. Vous auriez dit moins. Ouais. Il aurait dit moins avant. Stéphanie, vous allez vous marier dans 3 semaines. La réponse est 1836. Vous montez à mes côtés sur l'escalier, amis de Dijon. Ouh là 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 là. Ça va aller? Oui, essayez. Bien. Eh ben, beaucoup d'émotion. Merci à Fanny d'être venue de Arles pour venir nous voir. C'était très gentil. On va quand même vous offrir un top de la technique. C'est une petite télé comme ça. Elle mesure 11 cm, une télé portable. Merci à vous, Fanny. Petit et léger, dans la poche ou chez mes mères, cette mini télé de 11 cm va faire des envieux. Merci, Fanny. Et je voudrais également qu'on applaudisse très très fort Eric, le petit ami qui est là. Et que c'est... Merci, Eric. Merci. Eh ouais. Et Stéphanie, nous allons retrouver, bah, écoutez, une future mariée. On va tenter de vous payer la robe et tout et tout. Nous allons tenter, bien sûr, ensemble les 10 000 euros. Stéphanie, alors ouvrière, plus précisément ouvrière sur une machine-outil, sur... Sur une ligne automatisée, en fait. D'accord, bien. Et votre futur mari de dans 3 semaines, il est ? Chauffeur routier. Chauffeur routier. Et moi, j'envoie le bonjour à tous les chauffeurs routiers parce que j'aime bien les chauffeurs routiers. Et quand ils ont décidé d'être sympas, ils sont sympas. Il est... il tracte beaucoup, non ? Beaucoup de tonnage, 19 Yannick ? Tonnes. 19 tonnes. 19 tonnes ? Bien. Et qu'est-ce que vous promenez derrière votre mort ? De tout et rien. Merci beaucoup de votre précision, Yannick. Je vous souhaite bonne chance. Juste parce qu'on a, on a parlé de l'obélisque, est-ce que vous nous, pouvez nous sortir votre gros obélisque? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Je vous en prie, Jean-Luc, pas en public. Non, mais juste un petit peu de culture, on a dit 1800... 36, il a été offert à Louis-Philippe par Mehemet Ali en 1831. Il était couvert de hiéroglyphes et à ce propos, j'ai une petite devinette égyptienne. Pourquoi les habitants du Caire tombent-ils toujours en descendant du métro? Ce sont des kérotes, c'est ça? Oui, ce sont des kérotes. Elles ne sont pas cuites, mais... Alors, ils tombent du métro parce qu'ils descendent toujours en marche pendant que la rame cesse. Oh, oh mais alors, j'ai fait coquer. Alors, Marion va être en verre pour l'été. Nous vous offrons bien sûr 250 euros et nous montons sur la première marche. Le lait en poudre fut inventé en quelle année? 1867 ou 1927? Le lait en poudre. Je peux dire qu'il a été inventé pour combattre la mortalité infantile très élevée à l'époque. Poc, poc, poc. Non, je dirais 1867. 1867. Votre futur mari, Yannick, vous êtes d'accord? Oui, je pense. Oui, il pense. Bien. Vous en voulez beaucoup des bébés après votre mariage de dans 3 semaines? Ben déjà un, et puis même 2, ce serait bien aussi. Ouais. Et plus si affinité en fonction de plein de choses. Voilà. Voilà. Volo. Volo, volo. Les Dijonais sont ici. Et d'ailleurs, on l'appellera le petit moutard de Dijon. Voilà. Voilà, voilà. La réponse est... C'est la bonne réponse! Voilà! Voilà! Vous, vous avez un mois chargé quand même. Hein? Là, on vous offre déjà 500 euros. C'est pour le mariage, hein? Ça nous fait plaisir. Hein? Ouais. Comme ça, vous mettrez un bouquet de plus, une belle couronne et tout, et vous direz que c'est... C'est sûr qu'on aura une pensée pour vous. Ah oui, mais même pas des pensées, des pivoines, plein. Mettez des iris, des roses. Enfin, vous voyez, déjà, 500 euros, c'est une belle gerbe. Hein, belle gerbe pour 500 euros. Ah oui. Attendez, grosse gerbe même. Attention. Attendez, 500 euros, vous vous rendez pas compte? On essaye les 1000 euros pour encore plus grosse gerbe. Allons-y. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel
Alors, juste, parce que je ne sais pas si vous avez bien senti ce qu'a voulu faire passer comme message Sophie, qui s'occupe de toutes les musiques. Ça dit, écoutez bien, on va faire un karaoké géant. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Et après, les garçons disent boîte à outils. OK, vous êtes prêts? 3, 4, en musique. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Les garçons, boîte à outils. C'est fort quand même, non? Qui est-ce qui chante, bariton? C'est Patachou, bien sûr. Patachou. Ça, une petite larme quand on entend ça, hein, monsieur. Hein, je vois bien, hein, petite larme. Tiens, je vous ai vu, hein, vous avez été ému par Patachou. La question va nous parler de bricolage. Sur une clé Allen, combien y a-t-il de pans? Y a-t-il 6 pans, y a-t-il 8 pans? C'est la question que je vous pose. Vous voyez ce que c'est qu'une clé Allen, non? Alors, c'est une petite clé qu'on tient comme ça à la main, qui a une partie droite et une partie courbe. En général, elles sont fournies quand on monte les meubles en kit. C'est souvent des clés Allen. Allen, si je t'appelle aux clés Allen, c'est parce qu'ici, sans le savoir, tu as... Il faut les acheter de bonne qualité, sinon ce sont des mauvaises Allen. Je peux me répondre au hasard? Ouh. Alors, la clé Allen? Ouais, je vais dire 6. Je voulais dire 6, donc je vais dire 6. On va dire 6. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Au hasard. Le public est fou pour l'été ici, hein? La réflexion est juste pendant la pub. Mais l'on revient, mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur. Nous parlons de clé Allen. En compagnie d'une future mariée, dans 3 semaines, elle va se marier, Stéphanie, avec son futur époux, Yannick. La question nous disait, sur une clé Allen, il y a combien de pans? Y a-t-il 6 pans, y a-t-il 8 pans? Vous répondîtes? 6. 6 pans. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pans dans le mille, oui! C'est pour le mariage. Pour le mariage, on vous offre 1000 euros. Là, c'est un sans faute. On a fait un sans faute. Donc, on va continuer. Pour... Ne me regardez pas comme ça, je suis pour rien. On va continuer pour les 2000 euros. Amis dijonnaises, allons-y. La chanteuse Jennifer Lopez. Elle a joué dans combien de films? Soit 3 films, soit 13 films. Prenez votre temps, hein. Prenez votre temps. On est tranquille. Et on en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. Oh, c'est l'anniversaire de Jennifer? Oui, absolument. Et d'Yves Duteil aussi, et d'Hervé Villard aussi. C'est pas la même génération. Non. Mais il chante. Enfin, il chantait. Capri, c'est fini. Bon anniversaire, Hervé. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Jennifer Lopez. Non, par rapport à ce que j'ai vu, moi, non, je vais dire 3. Vous nous dites? Je vais dire 3. Je l'ai pas vu dans beaucoup de films. 3 ou 13 films? 3. Premier film de Jennifer?
Je n'ai pas le premier film, mais je vais en citer quelques-uns tout de même. Comme le dernier, Angel Eyes, il y a U-Turn, Anaconda, Money Train et tant d'autres. Il y en a eu 13. 13. Bon, écoutez, on va garder quand même les 1000 euros et pour le mariage dans 3 semaines, on va tenter les 5000 euros sur la dernière marche. Montons-y. Vous avez suivi un peu la Coupe du Monde, non? Parce que un là, petit peu. Un petit peu. Nous, on avait des chouchous, bon, parce que bon, ils nous ont pas éliminés, mais plus de 20 personnes jouaient dans l'équipe du Sénégal et plus de 20 personnes jouent en France. On va parler des Sénégalais et on envoie le bonjour à tous les Sénégalais. On ouvre la porte. Ça fait du bien. Ça va aller. Vous arrêtez combien de jours de travailler pour le mariage? 3 semaines. Vous arrêtez 3 semaines, vous en profitez, les vacances d'été, tout mélangé. Vous avez bien raison. La question, elle n'est pas trop difficile, ça dépend de pas mal de choses. De combien de couleurs est composé le drapeau du Sénégal? Concentrez-vous dans un premier temps. Je vous propose, pour 5000 euros, 2 couleurs. Deuxième proposition, 3 couleurs. Troisième proposition, 4 couleurs. Dernière proposition, 5 couleurs. Stéphanie, vous le savez, vous regardez l'émission de temps en temps, on fait un premier choix et après on demande à son futur mari, on demande au public. Donc pour l'instant, vous pouvez y aller décontracté. Pour les 5000 euros, vous pencheriez... Je veux dire 3 au départ. 3 au départ. Ça va quand même? Vous passez une bonne fin de matinée, je veux dire. Ah, c'est super. C'est super. Vous êtes décontracté, mais bon. Ça me fait déjà plaisir de vous voir. Ben écoutez, je suis très heureux également. Nous allons nous retourner tous les deux. Et on va demander au public, d'abord à Yannick. Yannick? Oui, je pense. Attends. Vous pensez 3? Oui. Bien. Yeah. Oui. Le public, oui. Ah, il y a du nom là-haut. On va faire un truc parce que c'est le truc de l'été. Vous qui êtes d'accord... Levez-vous. Il y a... Ah, oh, il y a quand même une majorité, je le dirais. Une majorité à 65. 65 et demi, il y en a un qui ne sait pas trop, là. Mais à 65%, je dirais qu'ils sont d'accord. OK, on a l'avis global? On se retourne? Allez, on se retourne. Derrière, maintenant, un choix définitif. Est-ce que l'on garde 3 couleurs sur le drapeau du Sénégal ou est-ce que l'on change? Alors, je vais garder 3. Vous gardez 3. Vous voyez les couleurs ou pas? Non, vous ne voyez pas. Là, je mélange tous les drapeaux. Là, vous mélangez tout, on en voit de toutes les couleurs. Là. Mon Dieu, elle se marie dans 3 semaines, si c'est 3 couleurs. C'est le mois de vous, alors, vous, tout en même temps, là. Hein? Bah là, oui. C'est... D'accord. Pour le cœur solide. Oui. Mois de juillet, fort, hein. Juillet, août. Et mon anniversaire en même temps. Votre anniversaire aussi? C'est quel jour? 16. 16 août? Juillet? Juillet? Il est passé, alors. Bon anniversaire. Vous avez tout? Vous avez tout, vous, hein? Mois de juillet, août. Moi, je dis que c'est l'été qui va aller. Première case que vous voulez que nous dévoilions? Le 5. 5 couleurs? Il n'y a pas 5. Il n'y a pas 5 couleurs, il y a... Y a-t-il 5000 euros derrière 5 couleurs sur le drapeau du Sénégal? La case se dévoile et la réponse est... Non.
Petit air complice entre les futurs couples. Deuxième case que vous voulez que nous dévoilions. Le 2. Le 2. Y a-t-il deux couleurs sur le drapeau du Sénégal? Y a-t-il 5000 euros derrière cette case-ci? Elle se dévoile. Magnifique pays à visiter. La Casamance est extraordinaire. Quelle belle Casamance! Y a-t-il... Ça va aller? 5 000 euros, c'est net d'impôts, ça va directement dans la corbeille de mariage. Ça nous fait plaisir. Hein. Et comment ça nous fait plaisir, ce matin? Trois couleurs. La case se dévoile. Maintenant. Oui ! Trois bandes verticales vertes, jaunes et rouges. Avec une étoile verte. Attention à la marche. Au revoir à tous. Nous, on est très heureux de faire des heureux au quotidien sur TF1. Allez, un dernier bisou, le bisou du mariage. Et puis, on...